Est-ce que vous admettriez que vous avez une nature pécheresse qui vous pousse à pécher? La plupart des gens diraient oui, mais vous savez, si vous êtes chrétien, ce n'est pas vrai. Vous n'avez plus cette nature pécheresse. Vous n'êtes pas schizophrène. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. C'est presque la fin de cet enseignement sur la vraie nature de Dieu. La semaine prochaine, ce sera ma dernière semaine sur ce sujet, et donc je veux vous encourager à regarder toutes ces émissions sur Internet. Je ne peux pas revenir en arrière pour résumer tout cet enseignement sur ce sujet, mais vous pouvez regarder toutes les émissions sur Biblica TV, donc s'il vous plaît, profitez-en. Rappelez-vous que la semaine prochaine, ce sera ma dernière émission sur cette étude. J'ai parlé de la grâce de Dieu, j'ai dit ce que la nature de Dieu est réellement, sa nature est amour, qu'il n'a jamais voulu imputer aux hommes leur péché. Mais au lieu de cela, il voulait mettre tous nos péchés sur Jésus. Mais avant que Jésus puisse venir, il devait y avoir une limitation temporaire du péché jusqu'à ce que le Sauveur puisse venir. C'est ce qu'il est dit dans Galates, chapitre 3. Et donc la loi a été donnée. Mais elle a été donnée 2000 ans après la chute de l'homme, ce qui indique que ce n'était pas le plan originel de Dieu, ni son intention. Le Seigneur a donné une alliance de grâce et de foi à Abraham dans Genèse, chapitre 15, verset 6, 430 ans avant que la loi soit introduite, donc l'alliance de la grâce était déjà introduite. La loi n'était qu'une chose temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Et une fois que Jésus est venu, alors Dieu n'a de nouveau plus imputé aux hommes leurs offenses. Et j'ai utilisé beaucoup de versets à ce sujet, 2 Corinthiens 5, 19 est l'un des principaux. Ce que je veux faire aujourd'hui et au cours des autres semaines, c'est d'apporter un équilibre à ceci. Et je déteste utiliser ces termes parce que cela implique qu'il n'y avait pas d'équilibre dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas un manque d'équilibre, mais je veux juste présenter l'autre côté ou une autre façon de dire cela. C'est que certaines personnes pourraient prendre ce que je dis et dire, eh bien, nous disons que nous ne sommes pas sous la loi, que Dieu ne nous impute pas nos péchés. Donc, je peux vivre dans le péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et je veux répondre à cette question. Pourquoi vivre de façon sainte si Dieu ne nous impute pas nos péchés et s'il nous a tout donné par grâce? Ici, dans le livre des Romains, j'ai utilisé beaucoup de passages dans Romains qui parlent de ce sujet. Et dans Romains chapitre 6, verset 1, Paul dit ceci. Il dit, « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Maintenant, si le livre des Romains vous est familier, il avait parlé de la grâce. En fait, laissez-moi revenir en arrière et juste lire le précédent verset. Il est dit, eh bien, les deux précédents versets, Romains 5, versets 20 et 21, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Une nouvelle fois, ce sont des versets très, très radicaux qui disent que où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ceci va amener des gens à cette déclaration que Paul fait ici dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse se trouve au verset 2. Il dit « loin de là ». Et dans le texte grec original, ceci est aussi proche du blasphème que vous pouvez aller sans blasphème. C'est un déni absolu. Absolument pas. Non, complètement. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais laissez-moi souligner ceci. Si vous entendez quelqu'un prêcher le, entre parenthèses, évangile, et qu'il ne vous fait pas penser, est-ce que je peux tout simplement vivre dans le péché parce que Dieu m'aime en dépit de mes péchés? Si cette pensée ne vous est jamais venue à l'esprit, eh bien c'est ce que vous n'avez pas entendu le même évangile que celui que Paul prêchait. Eh bien c'est ici un passage puissant, c'est étonnant. Et vous savez, il y a des millions de personnes qui me regardent autour du monde, partout dans le monde où l'anglais est parlé et dans de nombreux endroits où il n'est pas parlé, vous pouvez voir ces émissions. Et il y a beaucoup parmi vous de gens dans le monde qui vont à l'église depuis des années et cette pensée n'est jamais venue à votre esprit lorsque quelqu'un a prêché.
Est-ce qu'ils disent que je peux vivre dans le péché? Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Mais vous savez, si vous comprenez vraiment la grâce de Dieu, que Dieu ne vous impute pas vos péchés, qu'il ne retient pas les péchés contre vous, qu'il ne réclame pas votre sainteté pour vous aimer et vous donner plus dans la vie, si vraiment vous comprenez cela, c'est une question logique. Il y a quatre différentes fois où l'apôtre Paul doit traiter cela et répondre. Il l'a fait deux fois ici dans Romains chapitre 6. Il dit donc, est-ce que nous pouvons vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Et puis, il nous donne deux raisons ici dans Romains chapitre 6. Pourquoi vivre saintement? Maintenant, il est très important que vous compreniez cela. Et en bref, je dirais juste ceci, et puis nous continuerons et regarderons cela plus en détail. Mais la raison pour laquelle vous vivez de façon droite, ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu. Dieu est content de vous au travers de ce que Jésus a fait pour vous. Et la seule chose que vous ayez à offrir pour cela, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est par la foi que vous faites plaisir à Dieu, pas par vos performances, pas par vos actions, pas par votre adhésion à un certain code de conduite. Donc, vos performances n'affectent pas l'attitude de Dieu envers vous, mais vos performances peuvent affecter votre attitude envers Dieu. Et c'est de cela dont il est parlé. Alors, il dit, d'accord, pourquoi devrions-nous vivre saintement? Il donne deux raisons. Premièrement, ici dans Romains chapitre 6, verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et c'est un sujet sur lequel je devrais vraiment passer plusieurs semaines à prêcher, parce qu'une fois encore, c'est vraiment mal compris, je crois, dans le corps de Christ aujourd'hui. La plupart des gens croient que vous avez une nature pécheresse et puis que vous avez une nature née de nouveau. Et donc, vous êtes dans un certain sens schizophrène. Vous êtes deux personnes différentes. Vous êtes cet enfant du diable d'un côté et de l'autre, vous êtes enfant de Dieu. Je ne crois pas que ce soit ce que les Écritures enseignent. Maintenant, il est triste, à mon avis, que la nouvelle version internationale ait traduit certaines de ces choses où il est dit « nature pécheresse » et « vieil homme » et différentes choses. Et ce n'est pas exact. Et cela laisse une image dont certaines personnes ont tiré des doctrines. Mais je ne crois pas que quand vous êtes né de nouveau, vous avez une nature pécheresse et une nature née de nouveau. Les deux à la fois à l'intérieur de vous, et je vais vous montrer cela dans les Écritures. Donc, premièrement, il dit « pourquoi devrions-nous vivre saintement ?» Eh bien, d'abord, il dit « nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Qu'est-ce que cela signifie, être mort au péché ? Eh bien, beaucoup de personnes ont des problèmes avec cela. Et ils en tirent toutes sortes de doctrines. Mais le mot « mort au péché » signifie simplement « être incapable de pécher ». Maintenant, certaines personnes rejettent immédiatement cela et disent « hey, ce n'est pas vrai, parce que les chrétiens pêchent. » Et en observant, on peut voir que les chrétiens se battent encore, les chrétiens continuent à se mettre en colère, ils continuent à être charnels, les chrétiens continuent à convoiter, à commettre l'adultère, et ils ne donnent pas leur dîme, ils ne vont pas à l'église, et ainsi de suite. Et donc, ils disent, ça ne peut pas être de cela dont il est parlé. Eh bien, dans 1 Jean, chapitre 3 et verset 9, laissez-moi vous lire ce passage. En fait, il dit la même chose, et c'est une vérité qui est répétée un certain nombre de différentes fois dans les Écritures. Mais dans 3, verset 9, il est dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est un passage radical, les Écritures. Et les gens disent, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne peut pas être vrai, parce que je sais que je suis né de Dieu. Je sais que je suis en relation avec Dieu et je pêche quand même. En fait, si vous preniez cela dans le contexte juste ici, dans ce même livre, 1 Jean chapitre 1 et verset 8, il est dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Et puis au chapitre 2, verset 1, il est dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Donc voici trois passages dans le même livre qui parlent du fait que le chrétien pêche, et cependant, il dit ici, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, « Quiconque
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et certaines personnes regardent cela et disent, eh bien, je ne comprends pas ça, et ils mettent la Bible sur une étagère en disant, c'est trop dur à comprendre. Mais la clé pour comprendre cela, c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La seule partie chez vous qui est en Christ, c'est votre esprit né de nouveau. Votre esprit est changé, votre corps n'est pas changé. Vous allez avoir un corps qui sera changé un jour lorsque Jésus va revenir et vous aurez un corps glorifié. Vous avez aussi une promesse selon 1 Corinthiens chapitre 13 qu'un jour vous connaîtrez comme vous avez été connu. Et cela parle de votre partie mentale et de ce que la Bible appelle votre âme. Mais votre esprit est déjà changé. Votre esprit ne sera pas changé quand vous irez au ciel. Vous êtes né de nouveau maintenant. Vous avez la nature de Dieu en vous. C'est de cela dont il est parlé dans Romains chapitre 6, quand il est dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Il est parlé de votre partie spirituelle et votre esprit est incapable de pécher. Si vous voulez marcher dans l'esprit, si vous voulez être en relation avec Dieu, vous ne pouvez avoir accès à cette relation avec Dieu que par votre esprit, pas par votre chair. Une fois encore, la loi a été donnée pour votre chair, pour votre homme extérieur et physique, pour s'occuper de vos actions. La loi est toujours externe, mais la grâce du Nouveau Testament ne traite pas simplement de l'extérieur, de la coupe et du plat, comme Jésus l'a dit, mais elle vous purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu a maintenant fait de vous une nouvelle, toute nouvelle personne, et vous êtes une nouvelle personne en Christ Jésus. Et vous ne pouvez pas pécher dans votre esprit. Vous êtes une personne nouvelle qui n'a pas de péché en elle. Eh bien, c'est radical. Donc j'ai dit que c'était votre esprit qui était né de nouveau. Et dans cet esprit, vous êtes mort au péché. Votre nature, le cœur de votre être, est une personne divine. Si vous êtes né de nouveau, si Jésus est votre sauveur et si vous avez vraiment été changé, ce changement ne va pas seulement s'opérer au ciel. Il sera complété au ciel parce que vous aurez un corps glorifié et une âme glorifiée. Mais dès maintenant, dans votre esprit, vous êtes sauvé comme vous le serez pour toujours. Et c'est à cela qu'il est fait référence dans Romains chapitre 6, quand il est dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En d'autres termes, son argument ici est pourquoi vivre de façon droite si Dieu ne retient pas notre péché en contre nous? Pourquoi est-ce que vous vivez droitement? Eh bien, la première raison est que c'est votre nature de vivre saintement. Certains d'entre vous doivent remettre cela en question, parce que vous dites, eh bien, on ne dirait pas que c'est ma nature. Vous savez, j'ai parlé à beaucoup de gens, à beaucoup d'hommes chrétiens qui ont encore de la convoitise dans leur cœur. Et ils ne peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi ils se battent contre la convoitise. Il y a des gens qui mentent encore, il y a des gens qui encore ont tendance à tricher, il y a des gens qui désirent encore des choses impies, et ils ont tout simplement accepté cela en disant, « Eh bien, après tout, c'est ma nature. Je suis un vieux pécheur sauvé par grâce. » Mais ce n'est pas exact. Selon ces versets, ce n'est pas votre nature. Au verset 3, il est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Eh bien, ce sont des déclarations puissantes. Je n'ai pas le temps d'expliquer ceci dans sa totalité, mais cela ne parle pas du baptême d'eau. Cela dit que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes baptisé dans le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, et je crois au verset 13, parle de cela. Au verset 5, il est dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Verset 6, sachant que, eh bien, c'est ici un point important. Nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Ceci a été révélé au verset 3 et 4. Mais il est dit, nous le serons aussi, par la conformité à sa mort, sachant que, qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, la mort, ceux qui ont été baptisés dans sa mort, quand vous recevez un esprit né de nouveau, votre esprit est mort au péché, incapable
de péché. Il ne peut pas pécher, comme il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Donc, cette partie est déjà accomplie. Mais que vous commenciez à vivre cela et à marcher libéré du péché, à avancer dans une vie ressuscitée où vous avez la puissance de Dieu dépend du fait que vous sachiez quelque chose. Il est dit au verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vous devez savoir que votre vieil homme a été crucifié. On enseigne à la plupart des chrétiens aujourd'hui que leur vieil homme ou leur vieille nature pécheresse sont encore en vie et en fonction. Et qu'est-ce qui vous conduit vers le péché? Et donc, ils ne savent pas cela. Par conséquent, ils n'ont pas la vie de résurrection de Dieu qui coule en eux. Et certains d'entre vous doivent se dire, et concernant ma tendance à pécher, si vous dites que je n'ai plus une nature pécheresse, qu'est-ce qui me pousse à pécher? C'est une pensée non renouvelée. Votre tête est comparable à un ordinateur. Vous pouvez programmer un ordinateur et il va continuer à fonctionner selon la façon dont il a été programmé. Et il ne peut fonctionner différemment, à moins que vous ne lui mettiez un nouveau programme. Votre vieille nature pécheresse, quand vous étiez séparé de Dieu, quand vous étiez mort par rapport à Dieu, séparé de Dieu, votre nature perdue, votre nature pécheresse vous a enseigné comment être égoïste, comment marcher dans la convoitise, comment penser seulement à vous, comment détester Dieu, comment détester les gens, comment mentir, tricher, voler et faire tout ce genre de choses. Et c'est avec cela que vous avez été programmé. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous avez une nouvelle nature. C'est comme si maintenant vous aviez tout ce nouveau matériel. Vous avez de nouvelles capacités. Vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Mais si vous conservez ce même ancien programme, savez-vous que vous allez avoir les mêmes résultats que vous aviez auparavant. Si vous avez un nouvel ordinateur, mais que vous n'avez pas un nouveau programme qui va avec, vous serez toujours limité par ce programme. Vous ne pourrez pas profiter de toutes les nouvelles améliorations. Maintenant, nous sommes nés de nouveau. Vous n'avez plus cette vieille nature morte et pécheresse en vous qui vous force à pécher. Mais nous n'avons pas été reprogrammés. Et donc, nous continuons à convoiter, à nous battre et à être dans la défaite, pas parce que nous avons une nature qui nous pousse à cela, mais parce que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence en l'alignant sur ce que nous sommes en Christ. Si vous vous reprogrammiez, vous pourriez expérimenter de nouveaux résultats. Et c'est ce que Romains chapitre 12, verset 2 dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est cela qui parle de la reprogrammation de votre intelligence. Si vous renouveliez votre intelligence, il n'y aurait plus rien qui vous forcerait à agir comme le diable. La seule raison pour laquelle nous agissons comme le diable, c'est parce que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence et changé notre façon de penser. Proverbe 23, 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme, car vous allez agir selon ce que vous pensez. » Si vous pensez, « Je suis un vieux pécheur, sauvé par grâce, mais tout au fond de moi, je suis encore un pécheur indigne. » Eh bien, vous pourrez résister au péché jusqu'à un certain point. Mais quand il va continuer à frapper à la porte et à persister que le diable va permettre une pression sur vous, vous savez, vous allez céder, parce qu'après tout, vous êtes vieux pécheur. C'est ce que vous pensez que vous êtes. Mais si vous disiez, « Non, j'étais un vieux pécheur, mais j'étais sauvé par grâce, et maintenant je suis la justice de Dieu. » Et si vous pouviez voir cela, c'est ce que je suis propre, je suis pur, je ne veux plus agir comme cela, cela vous changerait. Vous savez, j'ai entendu une fois Kenneth Hagin donner son témoignage que quand il est de nouveau, des circonstances très miraculeuses, le lendemain, ses amis sont venus le voir et ils voulaient qu'il force des serrures. Il disait que s'il avait un talent naturel, c'était bien celui de forcer des serrures. Et donc, à chaque fois que ses amis voulaient voler quelque chose et rentrer par infraction quelque part, ils lui demandaient de forcer des serrures. Et donc, ils sont venus le trouver, lui ont demandé de forcer une serrure pour pouvoir rentrer par infraction et voler quelque chose, comme il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Et il a dit, je ne peux pas le faire. Ils ont dit, pourquoi tu ne peux pas le faire? Et il a dit, je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et Kenneth Hagin instantanément a changé son identité et a dit, je ne suis plus comme ça. Eh bien, si on regarde à ce que la plupart des gens enseignent aujourd'hui, ils diraient, eh bien, tu es encore un vieux pécheur, tu es encore un voleur, tu forces encore les serrures, mais tu ne devrais pas le faire. Eh bien, il aurait résisté pendant un certain temps, mais après un moment, il aurait dit, après tout, c'est ce que je suis. C'est mon talent naturel et il aurait succombé. Cela dit que vous devez savoir que votre vieil homme est mort. Vous savez, j'ai utilisé cet exemple de nombreuses fois, mais vous voyez cette chemise, elle a des boutons. J'ai boutonné cette chemise. Je sais que j'ai boutonné cette chemise parce que personne d'autre ne m'a habillé.
Donc je sais qu'il fallait que je boutonne cette chemise. Mais vous savez, je ne me rappelle même pas l'avoir fait. C'est quelque chose d'automatique. C'est comme si c'était ma nature. C'est juste quelque chose que je fais. Mais vous savez, ce que je peux me rappeler, c'est que cela ne m'est pas venu de façon naturelle. Quand j'étais petit, j'avais des difficultés pour boutonner ma chemise. En fait, j'ai mis ma chemise hier soir et je l'ai boutonnée de travers. J'ai regardé dans la glace et la chose était mal boutonnée. Vous savez, je me bats encore avec cela de temps en temps. J'avais des difficultés avec cela quand j'étais gamin. Donc, ce que je veux montrer, c'est que je sais que boutonner une chemise ne fait pas partie de ma nature, parce qu'il a fallu que je me force à apprendre à coordonner cela pour que le bon bouton soit dans le bon trou, etc. Mais maintenant, je l'ai fait si souvent que cela est devenu naturel. C'est comme si c'était ma nature. Eh bien, c'est pareil avec le péché. Vous pensez que c'est votre nature pécheresse qui vous pousse à vivre dans le péché, mais la vérité, c'est ce que vous avez fait ces choses si souvent que c'est devenu comme une seconde nature pour vous. Mais ce n'est plus une nature pécheresse qui vous pousse à commettre le péché. C'est ce que les Écritures appellent ici au verset 6, le corps du péché doit être détruit. Le péché est parti tout seul. La nature pécheresse est partie. Mais c'est comme lorsqu'une personne meurt. Elle laisse derrière elle son corps qui doit se décomposer et être enterré pour être dégagé. Eh bien, de la même façon, votre nature pécheresse est partie. Mais il reste un corps, une mauvaise façon de penser, de mauvaises attitudes, de mauvaises émotions, et elles doivent être renouvelées et changées. Eh bien, pour moi, c'est une vérité qui est libératrice. La raison pour laquelle vous vivez maintenant, c'est parce que, premièrement, c'est votre nature de vivre ainsi. C'est ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3. Il dit que tout homme, pas simplement quelques hommes, pas la plupart des hommes, pas simplement des hommes, mais pas les femmes, ceci parle de l'humanité, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous êtes vraiment né de nouveau et si vous avez cette espérance de la résurrection à l'intérieur de vous, vous vous purifiez vous-même comme il est pur. C'est votre nature, c'est votre but. Maintenant, peut-être que vous ne faites pas un bon usage de cela. Comme je l'ai déjà expliqué au travers des Écritures, la loi donne en fait vie au péché. La loi donne la puissance au péché. Elle va rendre pire la convoitise. Elle va nous condamner. Elle va vous tuer. Si vous avez vécu sous un enseignement légaliste, il se peut que vous n'ayez pas fait ce que Dieu voulait un grand nombre de fois. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous désirez vivre pour Dieu. Et le simple fait que vous désiriez le faire montre que maintenant, les choses que vous aviez l'habitude de faire, avec lesquelles vous n'avez jamais eu de problème, vous aimiez pécher et vous n'y faisiez pas attention. Maintenant, si vous revenez en arrière et commettez ces péchés, cela vous ennuie. C'est une indication qui vous a changé. Votre nature est changée. Vous êtes repris sur des choses pour lesquelles vous n'avez jamais été repris avant. Je ne dis pas que vous vous accomplissez ce désir complètement, mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez le désir de vous purifier, comme lui-même est pur. Vous n'avez plus une nature pécheresse qui vous force à vivre dans le péché. La seule raison pour laquelle vous vivez dans le péché est tombée, c'est à cause d'une intelligence non renouvelée. Vous ne connaissez pas la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. C'est la vérité qui va vous libérer. C'est vérité dont je parle. Si vous pouviez comprendre que vous n'êtes plus un pécheur par nature, forcé de vivre dans le péché, eh bien, vous feriez l'expérience d'une vie de résurrection. Vous êtes déjà mort au péché. Vous n'avez pas une nature pécheresse. Vous avez une nature née de nouveau. Vous n'êtes pas deux personnes. Vous n'êtes pas schizophrène si vous êtes né de nouveau. Vous êtes une toute nouvelle personne. Mais vous devez savoir cela avant de commencer à en avoir les bénéfices dans votre vie. Eh bien, ce sont des choses puissantes.